Pour notre vénéré métropolite Michel,
tiens compte de nos fautes, Seigneur, Seigneur, quiconque subsistera, mais près de toi se trouve le pardon. Et le nom, il en est l'initiateur et le dit.
sur nous sont affermis, la fidélité du Seigneur demeure pour nous. De quel mentir donnerons-nous la louange de ce saint? C'est un maître de piété, nous enseignons la foi. Lumière de joie, lumière de joie.
Lecture de la première épître du saint apôtre Jean. Soyons attentifs. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché du Verbe de vie, car la vie s'est manifestée, nous l'avons vue, nous en rendons témoignage. Et nous vous annonçons cette vie éternelle qui était tournée vers le Père et qui nous est apparue. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous soyez en communion avec nous. Quant à notre communion, elle est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Tout ceci, nous vous l'écrivons pour que notre joie soit complète. Voyez quelle manifestation d'amour le Père nous a donnée pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous savons que lors de cette manifestation, nous lui serons semblables, parce que nous le verrons tel qu'il est. Sagesse. Lecture de la première épître du saint apôtre Jean. Soyons attentifs. Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu. Car beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde. À ceux-ci, reconnaissez l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu dans la chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est là l'esprit de l'Antéchrist. Vous avez entendu dire qu'il allait venir. Eh bien, maintenant, il est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu, qui connaît Dieu nous écoute, qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est à quoi nous reconnaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Sagesse. Lecture de la première épître du saint apôtre Jean. Soyons attentifs. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui a engendré aime celui qui est né de lui. Nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu à ce que nous pratiquons ses commandements, car c'est l'amour de Dieu qui consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pesants, puisque tout ce qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Telle est la victoire qui a triomphé du monde, notre foi. Et à ton esprit. Seigneur, pitié pour nos dieux selon ta grande miséricorde,
Daigne, Seigneur, ce soir nous garder sans péché. Tu es béni, Seigneur, Dieu de nos pères. Ton nom est loué et exalté dans tous les siècles. Amen. Vienne sur nous ta miséricorde, Seigneur, comme sur toi repose notre espoir. Tu es béni, Seigneur, apprends-moi tes jugements. Tu es béni, Maître, instruis-moi de tes préceptes. Tu es béni, Saint, éclaire-moi de tes sentences. Seigneur éternel et ta miséricorde, ne méprise pas l'œuvre de tes mains. À toi la louange, à toi nos cantiques, à toi la gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Achevons notre prière du soir, Seigneur. Seigneur, un ange de paix qui fidèle gardien de notre âme.
Thank you.
jeunesse, elle montra les passions qui m'assaillent. Toi, mon sauveur, délivre-moi et sauve-moi. Sois douce, confonds tes femmes, Seigneur, les ennemis de Sion. Il soit comme l'herbe de Roussy, le vent qui la dessèche. Toi, mon Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Par la grâce de l'Esprit Saint, que tout âme fille et s'élève en toute pureté, pour resplendir de la triple unité en la dispersée. Sagesse, soyons attentifs, augmentons toi, dites aux nations que le Seigneur est roi. Il a fixé l'univers qui ne chancelle pas. Dites aux nations que le Seigneur est roi. Il a fixé l'univers qui ne chancelle pas. Chantez au Seigneur un chant de groupe. Chantez au Seigneur dans toute la terre. Dites aux nations que le Seigneur est roi. Il a fixé des lumières. Il ne chancelle pas. Dites aux nations que le Seigneur est roi. Il a fixé. Et si je ne mets pas la main dans son côté, je ne croirai pas.
a fait en présence de ses disciples encore bien d'autres miracles qui ne sont pas relatés dans ce livre, mais ceux-là l'ont été afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Orthodoxe et fait descendre sur nous le trésor de ta miséricorde.
Par l'intercession de Notre-Dame, la très pure Mère de Dieu et toujours Vierge Marie, par la puissance de la précieuse et vivifiante croix, par la protection des célestes puissances incorporelles, par les prières du vénérable et glorieux prophète, le précurseur et baptiste Jean, des saints glorieux et illustres apôtres, de nos pères parmi les saints, les grands évêques et docteurs universels, Basile le Grand, Grégoire le théologien et Jean Chrysostome, de notre père parmi les saints, Nicolas, archevêque de Myre, en Lycie le thaumaturge, des saints Méthode et Cyril, apôtres des Slaves, du saint égal aux apôtres, le grand prince Vladimir, des saints et victorieux martyrs, de la sainte mégalomartyre Barbara, de nos pères vénérables et Théophores, Antoine le Grand, Benoît de Nursie, Athanase l'Atonite, Antoine et Théodose des grottes de Kiev, Serge de Radonège, Séraphin de Sarov, l'exarque Léonti, l'archimandrite Cheptitsky, du saint Irénée, patron de notre Église, dont nous faisons mémoire aujourd'hui, du saint apôtre évangéliste Luc, des saints et justes Aïeux, Joachim et Anne, de tous les saints, nous t'en supplions, Seigneur, en ta grande miséricorde, exauce la prière des pécheurs que nous sommes et prends pitié de Thank you.
Saint Dieu, Saint Fort, Saint Immortel, dit-il. Saint Dieu, Saint Fort, Saint Immortel, dit-il. Saint Dieu, Saint Fort, Saint Immortel, dit-il. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Trinité toute sainte, aie pitié de nous. Seigneur, agrée l'expiation de nos péchés. Maître, pardonne-nous nos iniquités. Saint, prête-nous secours et guéris nos infirmités à cause de ton nom. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous.
celui qui est ressuscité des morts, le Christ notre Dieu, par l'intercession de sa mère toute pure et immaculée, des saints glorieux et illustres apôtres, de notre Père parmi les saints, Irénée, patron de notre Église, dont nous célébrons en mémoire en ce jour, des saints et justes aïeux du Seigneur Joachim et Anne et de tous les saints, aie pitié de nous et nous sauve, lui qui est bon et ami des hommes. Sauve Christ, lui, prends en pitié, notre Père, notre Saint, dit que François, fasse quelque chose, c'est pas par hasard que ça arrive. Et donc, il faut se rendre compte que nous sommes tous responsables d'une façon ou de l'autre. Et la moindre des choses que l'on puisse faire, c'est prier pour que nous-mêmes allions mieux. Ensuite, nos proches. Et en même temps, pour toutes les personnes qui ont besoin soit de réconfort, soit de conversion. Et toute conversion arrive. On a beau dire qu'il y a des choses moins graves que d'autres, en fait, pourquoi il y en a qui sont moins graves si on peut les changer? Donc, il faut se mettre à notre propre conversion d'abord, et ensuite le reste du monde. Bonne fête.